film que vous allez voir est né sous une bonne étoile. Je t'explique comment ça marche. Tu mets le chargeur dans ce sens-là. Pas autrement. Sinon, ça peut t'exploser à la gueule. Ok, d'accord. D'accord ? Ta vie vaut moins cher que la vie d'une poule. Parce que tu l'as pas mérité. Ta mort, en revanche, oui, ça c'est sûr, tu l'as mérité. Tu m'écoutes ? Oui. Si t'as tué qu'un seul homme, alors t'es seulement à égalité avec ta putain de mort. Ta mort ne laissera aucune trace, rien. C'est comme si t'étais même pas mort. Faut en avoir tué deux pour la gagner. Avec deux hommes tués, là, obligatoirement, tu commences à laisser une trace. Quelque chose en plus. Quoi qu'il arrive. On ne pourra pas tuer deux fois. Eh, hey, messieurs, l'activité est terminée, là, pour aujourd'hui. Ok. Vous allez vous diriger vers la sortie, c'est dans super. Le calme. Hein. Super. Je crois que j'ai oublié une phrase. C'est pas grave, c'est super. Bravo, bravo, quoi. Bravo, Michel. C'est vrai. Bravo, Gérald. Et t'as senti le courant sous-marin, là ? Ah ouais, ouais. Vous êtes d'accord, là... Là, on entendait ce qui se disait pas, quoi. Là, il y avait la vie, là. Tu te fous de ma gueule, toi. Toi, tu seras un acteur aussi. Si. Waouh. Bravo. La semaine prochaine, je vais avoir un petit problème. Pourquoi ? J'ai rendez-vous chez le juge. Qu'est-ce qu'il te veut, le juge ? C'est pour une remise de peine. Ma conditionnelle, il parle de 5 à 6 mois. Là. Allez, messieurs, on se dépêche un peu, là. C'est super, Michel. Oui. Bon, moi, je pourrais pas finir la pièce avec vous. C'est pas grave. Je t'adore. Au revoir. Il y a des fois, on peut pas changer soi, mais on peut changer les choses autour de soi. Je sais pas, voyager, bouger, changer de métier. Parce qu'il y a des moments dans la vie, je dis pas qu'il y en a beaucoup, mais il y a des moments, bah, faut prendre des décisions. Et je dis pas que c'est une chose facile à faire, hein, prendre une décision. Et qu'on ait 30 ou 50 ans, ça reste toujours une épreuve. Attends, je comprends pas, tu parles pour toi là ou tu parles pour moi ? Non, je parle en général. Non, personne parle en général. C'est complètement débile de parler en général. C'est pas débile. Tu vois, moi, par exemple, en général, je suis plutôt seule. Ouais. Hein? Ben là, je suis plus seule. Ah bon? Et c'est qui? Tu l'as rencontré où? Il s'appelle Michel. D'accord, mais tu l'as rencontré où ? Et tu vas beaucoup l'aimer. Oh, tu l'as rencontré où ? Oh, tu l'as rencontré où ? À la prison. Ça te pose un problème ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Pourquoi tu t'énerves ? C'est dans le camion, c'est Michel. Quoi ? Il va chez le juge, pour sa conditionnelle. Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais ralentis, putain, attends. J'aime pas ça ! Non, 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 ralentis, j'aime pas ça ! Michel ! Regarde, c'est Abel, c'est mon fils ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il peut pas nous voir, là, les vitres, elles sont toutes noires ! Attends, il peut pas nous voir, mais il peut nous entendre. Mon amour ! Arrête, non, 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 non ! Michel ! Mais ralentis, non, 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 maman, Michel. Maman ! Maman, j'aime pas ça. Maman, j'aime pas ça. Michel, arrête, t'es déconné, putain, on va se faire arrêter, on va nous emmerder. Tu peux pas s'arrêter quand ils transportent ta prisonnière. Arrête, putain, on va avoir des emmerdes, t'es déconné. Monsieur,
Arrête-moi, je te laisse en complètement folle. Je vais pas t'arrêter en pleine campagne. Complètement folle. T'entends ce que je te dis ou pas? Je suis ta mère, quand même. Je m'en fous, t'es complètement folle. Complètement tarée. Pour le plaisir. Monsieur, interdiction de se servir dans les couloirs, on est d'accord? Ouais. Ok. Madame Sylvie Lefranc, née Beltoise, consentez-vous à prendre pour votre époux Monsieur Michel Ferrand, ici présent? Oui, oui. Monsieur Michel Ferrand, consentez-vous à prendre pour votre épouse Madame Sylvie Lefranc, née Beltoise, ici présente? Oui. D'après vos réponses libres et mutuelles, nous déclarons au nom de la loi et de la République que vous êtes unis par les liens du mariage. Ah. Oui. Abel, les photos maintenant. Les photos. Et non, mais prends-nous. Ah, oui, oui, oui. Les bêtes. Et monsieur, est-ce que vous voulez bien nous prendre en photo tous ensemble? Et vous voulez pas venir aussi? Allez, s'il vous plaît. Ouais. Ok, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Vas-y, encore un peu plus, là. Encore un peu. Alors, attention à trois, hein. À la une. À la 2 et à la 3. Ouais! Allez, messieurs, dames, c'est terminé maintenant. Surveillant, vous venez, s'il vous plaît, vous raccompagnez Michel en cellule. J'ai droit aux fleurs en cellule. Non, les fleurs, elles pourront pas aller en détention. Hein. Du coup, je vais raccompagner la famille. Ouais, ok. Vas-y, je t'en prie. Demain. Demain? Peut-être pas demain, mais. Demain. Allez, au revoir. Allez, je peux lui dire au revoir, quand même. Merci. Abel, au revoir, Michel. Allez, messieurs, dames, on se dépêche un peu. Aussi. Oui, oui, ben, ça marche. Salut, mon pote, à bientôt. Eh, c'était pas si triste que ça, hein? Même les gardiens, ils avaient l'air contents. Finalement, tout le monde était content, sauf toi. Heureusement que je l'avais prévenu. Tu l'avais prévenu de quoi? Que tu ferais une gueule d'enterrement. Ouais. Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est chic, ça. Excuse-moi, c'est plus une prison, c'est un club de rencontre, le truc. Ça va aller de dormir toute seule ce soir? Bah oui. Pourquoi? Parce que c'est quand même le soir de ton mariage. Ça va. Allez, bonne nuit. Mon fils. Bisous, maman. Donc maintenant, on est devant une espèce un peu particulière, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'axolotl. L'axolotl, c'est un petit animal qui vit dans les étangs mexicains, qui sont généralement situés à 2000 mètres d'altitude. Et c'est un cas exemplaire de ce que les scientifiques appellent la néoténie. Alors la néoténie, qu'est-ce que c'est? C'est la conservation des caractéristiques juvéniles chez les adultes d'une espèce. C'est-à-dire que l'axolotl pourra grandir toute sa vie à l'état larvaire. Et il a aussi la capacité de régénérer des pans entiers de ses organes, c'est-à-dire que si sa queue, par exemple, venait à être coupée, il est capable de faire repousser sa queue, faire repousser ses mains, régénérer des pans entiers de son cerveau. C'est pour ça que les scientifiques l'étudient beaucoup pour essayer de voir quelles applications la médecine pourrait, en tout cas, apprendre du fonctionnement de l'axolotl.
Et voilà, donc je vais pouvoir vous laisser le regarder, l'apprécier, et j'espère qu'il vous fera rire comme il me fait rigoler. Je vais vous dire bonne journée, parce que la visite est terminée. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. En fait, je suis en deuxième année d'océanographie. Ouais. Et j'adore vos interventions. Tu lui as donné ton numéro ? Non, je ne lui ai pas donné mon numéro, non. Elle t'a pas donné... Putain, ne recommence pas, tu me saoules, tu me fais chier. Mais c'est toi qui me saoules. Allez, stop. Elle avait un beau cul, non ? Elle avait un très beau cul. J'en sais rien, j'ai pas regardé son cul. Tu vois, si, t'es grillé tout seul. Non, allez, on y va. Belles jambes. Elle avait des très belles jambes. Elle a l'air intelligent, hein ? Non, si, elle m'a offert un livre sur le lac Xochimilco, bientôt. T'es sage, hein ? Non, va te le voler, ton chien, là, c'est pas suffisant, ce truc. Tu sais, les gens, ils ont pas envie de se faire mordre les couilles, hein ? Tu vois, son collier, là ? Il est connecté à mon téléphone. Je sais partout où il est. Je peux même tout écouter. Bon. J'ai voulu en prendre un pour toi, mais ils n'avaient pas ta taille. Oh, elle est pas mal, celle-là. Non ? Ouais, elle est bien. Hein. J'essaye. T'as pas un peu pris du cul, toi ? Si, pourquoi ? C'est pas bien ? Si, c'est bien. C'est mieux. Ça fait combien de temps que t'as pas ? Que j'ai pas quoi ? Bah, que t'as pas... Que t'as pas ? Que j'ai pas quoi ? Oh, que t'as pas déchargé ! T'as pas déchargé ! Oh, mais j'ai entendu, hein. C'est pas la peine. Tout le monde t'a entendu, là. Bah pas toi, apparemment, tu me réponds pas. Bah moi, je suis pas comme toi, je peux pas faire ça avec tout le monde. C'est l'autorisation de Maud que t'aurais voulu, hein ? Je te la donne, moi, l'autorisation. Elle aurait été d'accord. Qu'est-ce que t'en sais ? C'était ma meilleure amie. Je sais, Clémence, excuse-moi. Encore un rendez-vous Tinder ce soir ? Oui. Je suis super excitée, je sens que cette fois-ci, c'est le bon. J'espère que tu le retrouves pas chez lui directement, là. Mais non, t'inquiète pas. C'est lui qui dort chez moi. Attention les yeux, hein. Oula. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, elle est bien. Je prends la taille au-dessus ou je garde celle-là ? Tu sais que le mec de ma mère, il m'inquiète, hein. Elle est pas un peu trop moulante ? T'entends ce que je te dis ou pas ? Oui, elle est un peu moulante, non ? Non, elle est bien, prends-la. C'est vrai, t'aimes bien ? T'as entendu ce que je t'ai dit ? Oui. Là, il viendra plus. Je sais pas. Ah bah, le voilà. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va ? Ça va. Oh. Pardon, je suis en retard, hein. C'est pas grave du tout. Ah, voilà, c'est Michel. Bah, je sais, oui. Ça va ? Très bien. Et toi ? Ouais, ouais, ça va très bien, ouais. T'es sorti quand, déjà, de prison ? Il y a une semaine. Il y a une semaine. Et vous êtes resté combien de temps ? Tu es resté combien de temps ? T'es resté combien de temps, toi ? Bah, oui, 5 ans. 5 ans de prison ? C'est quoi, c'est une Rolex ? Ouais. C'est une fausse ou c'est une vraie ? Non, c'est une vraie, ouais. Ah ouais ? Elle plaît. Ouais, elle est belle, ouais. Elle est belle, hein. Je te l'offre. Non, t'es fou, si tu veux. Prends-la. Mais non, je veux pas prendre ta Rolex. Non, mais refuse pas. Tu vas me vexer. Mais je vais ça pas me fait plaisir. Ta Rolex. Je suis content de te rencontrer, tiens. C'est un cadeau. Merci. Mais si, non, j'ai juste... Abel, on va pas commencer comme ça. Abel, sois simple. Ça me fait plaisir, vraiment. Et toi, par exemple, là, si tu devais faire un coup, tu vois, tu ferais quoi, là ? Mais moi, je fais plus de coups. C'est plus mes affaires, ça. Vas-y, invente. Qu'est-ce que tu ferais, toi, aujourd'hui ? Il insiste. Eh ben, réponds-lui. Bah, écoute, si je devais faire un coup aujourd'hui, ouais, je vois dans les marges. C'est quoi, les marges ? Les animaux. Sinon, il y a toujours l'alcool. C'est-à-dire, l'alcool ? Bah, l'alcool, c'est une valeur sûre. Bah, par exemple, en 95, avec deux poteaux, on avait braqué deux camions-citernes de chez Ricard. Ouais. Et là, comme en plus on avait le circuit des bars de Lyon. Et donc c'est pour cette histoire que t'as fait 5 ans de prison ? Mais ça te regarde peut-être. C'est pas grave, laisse tomber. Voilà. Pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui sort de prison non plus. Ah si. Ah si. On en rencontre beaucoup. Avec ma mère, moi j'en ai rencontré beaucoup. Hein. Ouais. C'est gentil ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie ? Là, je vais faire un peu d'intérim. Je commence demain chez Conforama. Qu'est-ce que tu vas faire chez Conforama ? Ben, tu vois, en prison, on soulève des haltères. Ben là, Michel, il va soulever des canapés. Je vais prendre l'air.
J'ai dit une connerie. Du tout. C'est moi qui t'ai fait fuir comme ça? Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta femme? Pourquoi tu me demandes ça? Elle t'a raconté, ma mère. Ouais. C'est toi qui étais au volant quand c'est arrivé, ça? Ça va mieux? Mais ça n'allait pas mal, hein. Moi, on devrait lui montrer, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oui, c'est quoi? C'est chez nous. C'est quoi? C'est chez nous. Là, regarde, là, là, il y aura le... la caisse. Moi, la caissière. Là, il y aura une grande table pour qu'on découpe les fleurs, faire ça, qu'on fasse les bouquets, hein. Là-bas, on va profiter de la fenêtre pour mettre toutes les fleurs les plus classiques, genre tulipes, bégonias, celles qui ont beaucoup besoin de lumière et qui se vendent. Tu peux me dire ce qu'on fait ici? Vous pouvez me dire ce qu'on fait là? Non, on va ouvrir un magasin de fleurs. tu déconnes ou quoi? Ah non, mais non. Tu croyais quoi? On avait volé les clés de la boutique pour te faire peur? Mais non, mais j'ai pas peur, c'est pas le problème. Bah, si j'espère que t'as pas peur, on parle de tulipes et de bégonias, tu vois, y a pas de quoi avoir peur. Hein. Mais qui, je comprends pas, c'est chez qui ici? Mais c'est chez nous! Mais on est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça? Je comprends pas. Vas-y, explique, parce que là, moi, c'est trop. Non, mais c'était une occasion à saisir. En fait, le proprio, c'est un ami à moi, il nous a fait ça. Le bail au tiers du prix. Et en échange, on donnera un pourcentage sur les recettes. Voilà. Et c'est qui ce mec pour toi? Je comprends pas. Tu peux me laisser 2 secondes, s'il te plaît, avec lui? Ouais, bien sûr. Ok. C'est quoi son histoire de mec qui lui fait des... Mais Abel, c'est quoi ton problème dans la vie? C'est quoi ton problème? Putain, mon problème, c'est que quand il va y en avoir un problème, parce qu'il va y avoir un problème... Pourquoi? Comme d'habitude, il va y avoir un problème, c'est moi que tu vas venir chercher. Mais c'est dingue, ça. Tu viens là, tu jettes ta suspicion sur tout. Je ne jette pas ma suspicion. Tu es flippante. Tu comprends que t'es flippante, que tu me fais peur? Moi, je suis heureuse. Chut, parle-moi fin. Moi, je suis heureuse et je te fais peur. Eh ben, c'est pas mon problème. Putain, tu peux pas faire les choses bourgeoisement, quoi. Tu peux pas aller voir ton banquier, faire un emprunt. Je m'en fous. Si tu veux arrêter de faire l'actrice et que tu veux ouvrir un magasin de fleurs, tu le fais, mais tu vas. On va payer chacun à part égale. Mais de quoi, chacun à part égale? De quoi? Le mec sort de tôle. Il va travailler chez Conforama. Qu'est-ce que tu crois qu'il va payer? Lui, c'est un ouvrier. Tu sais que si t'étais pas mon fils, je te prendrais pour un sale con. Ce que je te dis, tu m'as toujours dit qu'ils étaient mieux dedans que dehors. Tu me l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Eh ben, c'est pas un scoop, hein. Mets-toi à sa place. Bonjour. Je viens pour pointer. Michel Ferrand. Michel Ferrand. Merci. Tiens, Michel Ferrand. Bonjour, chef. Comment vas-tu? Ça va bien? Ouais. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Alors, la liberté? Ah bah, la liberté, ça va. Ouais, tu profites? Ouais. Ton magasin s'avance? C'est au courant de tout. Ouais. C'est un peu mon métier, non? Bon, tu mets votre bonheur, en tout cas. C'est gentil, merci.
Je trouve ça assez classe qu'on puisse expliquer à nos clients le symbole des couleurs. Ouais. Le rose, par exemple. C'est la tendresse. Ah, ça me rappelle trop un douceur. Papy qui m'avait offert un bouquet de fleurs énormes à la sortie d'un théâtre, comme ça. Les roses jaunes. Il était émouvant. Les roses c'est jaunes, papy. Chérie, c'est ouais. L'allégresse. C'est le bonheur, c'est l'amitié, ouais, par exemple. C'était dans un théâtre. Je sais plus où il était, mais il était trop beau. Et j'avais adoré. Ouais, par exemple, les tulipes, c'est l'orgueil. Ah bon. Tu me fais peur, là, hein? Pourquoi je te fais peur? Mais parce que je vois bien. Tu fais semblant, mais en fait, ça t'intéresse pas du tout, cette histoire de magasin. Mais je ne fais pas semblant. Ah, si. J'adore ce magasin. Non, non. Si. Je vois bien, tu sais. Mais tu vois rien du tout. Sylvie, ça va te manquer d'être actrice. Mais j'ai plus du tout envie d'être actrice. J'ai envie de l'ouvrir, ce magasin, avec toi. Hey, je suis amoureuse de toi. J'ai jamais aimé autant que toi. Ouais. Est-ce qu'on dit toujours ça? Les autres n'ont pas compté. Toi et moi, on sait que c'est pas vrai, tout ça. Mais si, c'est vrai ce que je te dis. Mais tout ce que je te dis, c'est vrai. Oh, moi, je te fais confiance, quoi. Pourtant, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Non, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Je sais pas. Peut-être t'aurais aimé te marier avec une femme plus jeune que moi. Avec une femme plus jeune que toi? Mais tu me prends pour quel genre de mec, en fait? Mais qu'est-ce qu'il y a, quoi, aujourd'hui? Mais tu crois que c'est facile d'être avec toi? Mais j'ai fait quoi? Je sais très bien qu'il y a des hommes beaucoup plus intéressants que moi qui s'intéressent à toi. Je le sais, ça. Ça aussi, c'est pas facile. Écoute-moi, Michel. J'étais une femme foutue. Et toi, t'es la chance de ma vie. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Arrête. C'est le même mec que t'as vu l'autre jour? Non. Ils sont peut-être plusieurs, tu sais. Ça se trouve, c'est une vraie petite mafia, là. Tu sais, ta mère, elle sait ce qu'elle fait. Hein. Mais c'est rien du tout, elle est naïve, ma mère. Ouais. Ça se trouve, il va se servir du local pour blanchir de l'argent. Tu veux qu'il blanchisse quel argent d'un trafic des canapés? On sait rien. Vas-y, laisse-moi regarder, je vais te dire ce que je sens. Tiens. Comment on utilise ça? C'est lequel? C'est celui avec le col roulé noir, là. Tu le vois, là? Oh, putain. Quoi? Mais il est canon. Non, mais pas ça, qu'est-ce que tu sens? Sylvie! Bon, allez, arrête, putain, tu t'arrêtes jamais, toi. Mais pas ta mère, t'as vu son cul, on a envie de le palper, franchement. Non, bon, allez, stop, allez, pas ça, stop, non, arrête, allez. Je l'adore, ta mère. Oh, je t'ai pas dit, j'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Ouais. C'est le même que la dernière fois, ou pas? Je peux te parler de trucs sexuels qu'on a fait? Non. Allez! Attends, bouge pas, attends, ils ont remis leur manteau, là. Qu'est-ce qu'ils foutent, ils vont où, là? Bah, ils vont manger, ils ont faim, en fait. On va aller se mettre sur le parking derrière. Allez, on chou, c'est parti. Discrètement, doucement. Je sais ce que je fais. Eh, hey, tu te mets pas trop près, pas trop loin non plus, d'accord? Oui. Bonjour. Je peux m'installer? Asseyez-vous, oui. J'ai que du coca zéro. Eh ben, un coca zéro avec du sucre, ce sera très bien. Avec du sucre. Putain, merde. Oh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Clémence? Oui. Michel Ferrand. Michel, attendez, parce que Michel, je crois pas que Sylvie. Je connais Michel. Sylvie, la maman d'Abel. Ah, mais oui. Ah, mais ça y est. Oui. Non, mais parce que je vous ai jamais vu en vrai, oui. Mais oui, bah, oui. On s'est jamais vu. Oui. Oh, merde. Oh, elle est con, putain, elle est con. Bah, moi, je travaille en face, au Conforama. Ah ouais? Et vous, vous faites quoi ici? Je cherche un canapé. Un canapé? Oui. Bah, reviens nous voir. Ah ouais, oui. Ah, oui.
Et votre portable qui sonne. Oui, c'est pas grave, je répondrai tout à l'heure. C'est dommage, c'est Abel, regardez. Ah oui, tiens, Allô Abel, comment ça va? Comment va la vie? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous, là? Pourquoi tu parles avec lui? Je comprends pas. Bah écoute, je suis dans un petit resto, là, dans un centre commercial, parce que tu sais, je dois aller acheter mon canapé tout à l'heure, et je tombe sur Michel. Ça va? Tout va bien? Il est menaçant ou pas? Vas-y, réponds oui ou non. Tu veux que je vienne ou pas? Bah écoute, on se voit tout à l'heure. Vous me le passez? Je te passe Michel, qui veut te parler. Abel, comment tu vas? T'es dans la voiture grise qui est garée devant le scooter, c'est bien ça? C'est-à-dire de quoi? Je comprends pas, Michel. Et t'es pas trop à l'étroit, coincé sous le tableau de bord? Ah non, franchement, ça va. Hein. Écoute, pourquoi tu passerais pas au local dimanche, nous filer un coup de main avec ta maman? Hein? Ce serait une occasion de passer un peu de temps ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, d'accord, c'est une bonne idée, ouais, je passerai. D'accord. Attention, ça va taper, là, hein. Ah, et voilà. Il a tapé. Il a pris des cours de je sais pas quoi quand il était petit. Il pourrait être. Hey, c'est pas de quoi il parle, il fait marrer. Il fait marrer, toi. Moi, je vais faire des trucs par terre, c'est même pas des femmes. Genre quoi? Fais la vague. C'est la vague, c'est ce que c'est la vague? Qu'est-ce que t'as à dire? Ah, tu peux rien dire, mon pote. Ah, c'est une vague, ça? On dirait un asticot. Quoi? Ça, c'est une bague, là? C'est quoi de quoi, ça? Tu peux pas la faire? Là, je te montre, là. Déjà, t'arrives à bouger, donc à mon avis, t'es pas bon pour la salsa, regarde. Viens, je vais faire l'homme, tu vas faire la femme. Voilà. Ok. Ça bouge, on est venu ou pas? Ouais, regarde. Allez, mon rythme. Et un. En arrière. Côté. Ok. Voilà. Ah, ça va, très bien. Je t'emmènerai un jour à Cuba, tu vois. Abel. Ouais. Je peux te poser une question? Ouais, quoi? Ta mère, tu crois qu'elle m'aime? J'en sais rien, moi, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu la connais bien, tu sais quoi. C'est toi qui t'es marié avec elle, hein, mon vieux. Ouais, alors? T'as bien une idée là-dessus, quand même. Qu'est-ce que tu veux savoir, si elle est heureuse, c'est ça? Par exemple. Ouais. Elle est heureuse, là, je le vois. C'est ça que tu veux savoir? Bah oui. Bah ouais, je te dis, elle est rose. C'est bon? Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Tu vois? Je suis rassuré. Merci. Cool. Et toi, fais voir, hein? Ta mère. Ouais. Je suis un peu comme son père, quoi. Je suis un peu son frère. Alors que tu veux juste être son fils? Hein? Ouais. T'as quelqu'un dans la vie, toi? Ah ouais, j'ai ma femme, mais elle est morte. Je t'ai vu. Hein? Pourquoi? Va chercher des verres plutôt. Abel, peux venir voir s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? T'en penses quoi? C'est-à-dire, tu veux vraiment savoir ce que j'en pense là? Oui, s'il te plaît. Non, parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que je vais te dire. T'aimes pas le pantalon? Ah, c'est pas le pantalon le problème, là, mon pote.
Quoi, le nœud ? Ah, le nœud, là, il est dur. Ça, hein. C'est de la soie sauvage. Ouais, mais c'est sûr que, je sais pas comment te dire, il me fait mal. Je l'enlève. Non, je t'impose de l'enlever, en fait. Enlève-moi ça tout de suite. Dommage, hein. T'as une cravate ? J'ai une cravate, mais voilà. C'est un peu fade. C'est sinistre, hein. On dirait un employé des pompes funèbres. Ouais, mais c'est parce que me disent les femmes dans la rue. Excuse-moi. Allez, mon pote. Je te parle des femmes dans la rue ? Je me demande si t'es pas resté enfermé trop longtemps, là. Mais ton coiffeur aussi, là, en prison. Cette veste, elle est pas mal, ça. Michel Ferrand. Récidiviste, mon pote. C'est comme ça. Et t'as une robe trop belle. C'est vrai? Hein. Oh, c'est rien. Non, mais toi, je t'ai jamais vue comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis amoureuse, quoi. Elle est belle, ma femme, hein. Tu me bouffes pas, toi. C'est quoi, ça? C'est Nord. C'est quoi? C'est un pitbull, ça? Non, c'est un staff. Ça se rend très bien, hein. Je sais, mais je l'ai castré. Ah, pauvre bête. Il est beaucoup plus câlin comme ça. C'est quoi ce qu'il y a autour du cou, là? Ça, c'est genre un bracelet électronique. Ah, ils en font aussi pour les bêtes. Un pépère, bah ouais. C'est trop beau ici, Mike. God, c'est comme dans un conte un peu. Ouais. Bon, je vais y aller. Trop beau. Jean-Paul qui est en panne, je vais le chercher. Oh bah non, quoi. Bah, je vais pas le laisser. Reviens vite. Oui, je vais le chercher, je reviens avec lui. Voilà. Mes copains. Non, Juno. Et Michel, je te présente mon copain de théâtre. Qu'est-ce qu'il y a, putain? Tais-toi. Le truc du chien, là. Oh non, Abel, commence pas, putain. Abel, t'as pas 12 ans. Mais c'est ridicule. Ton téléphone. Démarre l'application du chien. Non. Démarre l'application du chien, Clément, s'il te plaît. Bon, je suis obligé de vous laisser. J'en ai pas pour longtemps. Je dois aller dépanner un. Mais il y a tout le monde qui arrive dans 30 minutes. Ça marche. Ok, super. Oh, pardon. Ça va? Oui. Ça va? Oui, oui. Je reviens. Chérie. Ah, ouais, chérie. Ouais, bon. Oh, c'est pas vrai. Ça va bien? Comme je suis contente de te voir. Ah bah non, ça me fait plaisir de te voir aussi. Alors, t'es heureux pour ta maman? Ah bah, je suis super heureux. C'est formidable. Ah bah non, allez, une nouvelle vie qui commence. C'est super bien. J'en reviens pas. Tiens, regarde, Clément, c'est ma meilleure amie. Tu la connais? Tu sais, Jean-Claude, c'est un ami de ma mère. Il me connaît depuis que je suis petit. C'est un acteur. Un acteur? Vous êtes acteur? Oui. Incroyable. Vous avez tourné dans quoi? Oh bah, écoutez, j'ai fait pas mal de choses. Moi, je suis potière. Potière? Et vous, vous faites quoi? Je suis sculpteur. Vous êtes sculptrice? Oui. Ou alors, il est où, votre mari? Ah, il arrive. Il arrive? C'est celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? Ouais, c'est une merde, quoi. Il n'est pas là. Thank you.
on discute pas. Tu nous donnes du temps. On fait un effort, voilà. 250, 200. Arrête. Hicham, j'ai 100% confiance en ce mec-là, d'accord? Ça, c'est un fait. On n'en parle plus. Maintenant, toi et moi, on va repartir sur de bonnes bases. Tu m'as un peu entourloupé. Je t'en veux pas, cette bonne guerre. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas sur les mêmes bases. Je te demande juste de rectifier le tir. On peut faire ça ou pas? Ça, c'est j'ai toujours été honnête envers toi. Mais c'est 200 000. Tais-toi. Non. T'es pas en train de vendre un tapis. T'es en train d'envoyer deux lascars. T'es en train d'envoyer deux lascars sur un bagage. On risque la tôle pour ça, nous. Tu comprends? Bah ouais, j'en sors. Moi, une récidive, je prends 10 ans, là. 15 ans. Ah oui. Bon, je prends juste le rectifié tir. Il y a trois fois plus dans le camion que ce que tu m'as annoncé. C'est quand même normal que je te demande une rectification. Tout à fait, je suis producteur. Je fabrique des rosettes, des GU, des saucissons. C'est une galerie de peinture, plutôt peinture lyonnaise, contemporaine, mais aussi on a des choses du 19e, etc. Je devrais être là-bas en ce moment avec ma femme. C'est parce qu'on a négocié, parce que je t'ai filé la boutique. Ça fait partie des négociations de la boutique. On met de la longe, on met de l'épaule de porc, sel, poivre, ail, sucre. On embosse, on fait la mêlée, on met tout ça dans un bouillot de rosette. Tu vas faire quoi? Hey, tu sais que moi, je vais te couper en morceaux, tu vas voir toi et ton pote, et je vais rien te donner. Il déconne avec vous. Simplement, j'aime pas me faire baiser, c'est tout ça. Pas possible, on peut pas discuter sérieusement, sans s'insulter, sans provoquer, sans menacer. Eux, à chaque fois, t'as besoin de faire ça. Mais moi j'avais peur que tu me laisses toute seule avec ces gens. Pourquoi tu jetais toute seule? T'as pas bien ou quoi? Et je voudrais vous présenter mon bien-aimé, mon mari et mon associé. Ah c'est oui. Michel. Bravo. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. C'est nous les canuts, nous allons tous. Voilà. Bravo! Merci! Allez, je vais un coup, je vais changer de témoin du mariage. Ça va, chérie? Ça va? Ouais. Bonjour, il picole à une vitesse là, il est pas champagne. Maman, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va devenir dangereux avec Michel. Je veux que t'arrêtes cette histoire. Maman, il faut que tu arrêtes cette histoire, je vais t'aider, d'accord? Tu vas t'arrêter, Gouchel. Tu vas te taire. Tu vas te taire. Il t'est arrivé une catastrophe dans la vie. Mais là, tu commences à me faire chier. Et tu vas arrêter de me gâcher ma vie, d'accord? D'accord. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Ça, c'est quoi? Ça! Ça, c'est la veste de ton mec. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, quoi? Ça, c'est quoi, putain? Il est où le truc? Il est où le truc? Putain, je vais devenir fou. Oui, t'es en train de devenir fou. Allez, pousse-toi. Putain, de devenir fou. J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Je l'ai suivi, il allait dans une boutique. Je sais pas avec qui. Ce type est dangereux, il me ment depuis le début. Arrête, quoi. Arrête quoi? S'il te plaît, il va pas la tuer, ok? Tu te calmes maintenant. C'est la vie de ta mère, qu'est-ce que tu veux y faire? Laisse-la tranquille. Tu vas pas gâcher l'ambiance, regarde. Regarde comme elle est heureuse. Regarde. Gros problème.
Ah oui ? Il est juste derrière toi, le gros problème. Retourne-toi et regarde en haut. Vas-y. Tu vois l'autre abruti ? Il fera rien. La dernière fois, ça t'a coûté 5 piges. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Et qu'il aille au Condé ? Je suis le mari de sa mère. Il va pas aller chez les flics. Qu'est-ce que j'en sais ? Mais je te le dis, il va pas aller chez les flics. Écoute-moi, t'es mon ami, mais franchement, si toi t'arrives pas à t'en occuper, je vais m'en occuper moi. D'accord. Et tu sais ce que ça veut dire ? Ok, bah, donc je vais m'en occuper. Ok, ouais. D'accord. C'est mon affaire. Y a pas de souci. Merci. Autrement, il y a une autre solution. Oui. Ah, va pas te plaire. Axolotl ! Non, axolotl. D'abord, on ouvre bien la bouche. Ok, il y a le T, il y a le T, et après il y a le L tout de suite. Axolotl. Regardez, concentrez-vous, vous allez arriver. Il y a des axolotls dans le truc. Écoutez. Axolotl. 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 Voilà, le monsieur, il est arrivé. Axolotl. Ok, et bah, je vous souhaite une bonne journée, les enfants, amusez-vous bien. Vous dites puis... au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir. Vous me suivez ? Au revoir, les enfants. Au revoir. C'est désagréable d'être suivi pendant qu'on bosse. Hein ? On n'est pas intime, toi et moi, tu comprends ? Alors, on pourrait le devenir, bien sûr, mais ça prend un peu de temps. Faut apprendre à se connaître pour ça. Tu vois, depuis le début, je savais que tu mentais, Michel. Depuis le début. C'est pas ton monde. Pas du tout. À ma connaissance, il n'y en a qu'un seul de monde. Tu vois, je pensais que tu avais compris. Que j'avais compris quoi ? Que ma mère va finir à la morgue ? Non, c'est ça ? Ta mère, elle risque rien. Tu crois quoi ? Qu'une boutique comme ça, en plein centre-ville, on me la file gratos ? Juste pour ma réinsertion ? Bah, je sais pas, moi, tu m'as dit que c'était un pote à toi qui t'avait trouvé le blanc. Y a pas de pote. Alors vas-y, c'est quoi cette fois-ci ? C'est des palettes de whisky ? C'est des smartphones ? Du caviar. De quoi ? Du caviar. Le type que t'as vu au salon esthétique, c'est un Iranien. Il fait aussi un peu d'immobilier. Abel, vous dépêchez, s'il vous plaît ? Oui, oui, j'arrive, monsieur le directeur, j'arrive tout de suite. Tu vois, là, je suis en train de travailler, j'ai pas le temps et ça m'intéresse pas, tes histoires. Tu peux finir à t'expliquer ? Non. Le type pour arrondir ses fins de mois et fait dans le caviar, tu comprends ça ? Non, je comprends pas, je m'en fous. Le meilleur caviar vient d'Iran, tu le sais, ça. Ouais. Bon, mais les Iraniens, il se trouve qu'en France, il y a des gens qui sont prêts à payer une fortune pour passer une soirée au caviar. Tu sais que je pourrais te dénoncer, toi ? Tu me dénonceras pas. Ah bon ? Mais comment tu le sais ? Mais parce que ta mère m'aime et que t'aimes ta mère. Bah ouais, je l'aime. C'est pour ça que je vais la protéger. Tu sais que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Bah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Putain, t'as vu l'effet que ça a sur elle, le magasin ? On ouvre dans une semaine. Tu veux cacher ça ? Abel, les enfants attendent. Ouais, oui, je sais, j'arrive, monsieur le directeur. Je t'attends au café en face. Excusez-moi, bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Ça vous a plu ou pas de regarder les requins ? Je suis sûr que si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. La vie de ma mère, elle est tragique, Michel. Tu comprends ça, qu'elle est tragique, la vie de ma mère ? Que là, ça va recommencer ? Non, ça recommencera pas. Bien sûr que si, ça va recommencer. Putain. Bon, on va se démerder autrement, d'accord ? Moi, je vais aller voir la banque, on va faire un emprunt pour le local. Ah non, c'est trop tard. J'ai pas envie qu'il arrive des ennuis à ta maman. Comment ça, quels ennuis ? Un contrat pas honoré, ça énerve tout le monde. Putain. Pourquoi tu t'es mis dans ce plan, Michel, putain ? Mais c'est presque rien, ce que j'ai à faire. Mais arrête, c'est jamais rien. Tu me laisses te raconter ? Est-ce que je peux te raconter ? Hicham, l'Iranien, celui que tu avais à la boutique, là, il s'est dit que ça devait pas être très compliqué d'intercepter la livraison d'un de ses concurrents et de la revendre par lui-même. D'accord ? Ce qui lui manque, c'est un type comme moi, quelqu'un qui chope le camion et qui lui amène la marchandise. C'est tout. Je comprends pas, tu le choperais quand, le camion, là ? Non, mais moi, je prends pas tout le camion. Je prends juste le caviar, le saumon fumé, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est que le chauffeur s'en rendra même pas compte. Tu te fous ma gueule ou quoi ? Comment il va pas s'en rendre compte ? Tu vas le braquer, le type ? Personne ne braque personne. Il n'y a pas de violence. Je fais ça pendant sa pause dîner sur une aire d'autoroute. Il fait toujours le même trajet. Tu comprends ? Je fais ça pendant qu'il mange. Il se rendra pas compte. Il sera seul ? Ah, ils sont toujours seuls, ces gens-là. Et s'il mange pas, le type ? S'il mange pas, qu'il prend juste un café, comment tu fais ? Impossible. Pourquoi c'est impossible ?
Parce que j'ai suivi plusieurs fois. Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. 23h03 maximum. Toujours à la même place. Le type est un maniaque. Et comment ça, c'est un maniaque? C'est-à-dire quoi? Ben, c'est un maniaque, voilà, c'est un maniaque. Il a des tocs, il est toqué, voilà. Comment tu sais qu'il a des tocs? Ben, parce que par exemple, il s'y prend toujours à trois fois pour monter les marches du restaurant. Il tire toujours trois fois sur sa chaise avant de s'asseoir. Il s'assoit toujours à la même table, près de la fenêtre. Comme ça, il a un œil sur son camion. Sauf que le gars n'a pas de visibilité sur l'arrière du camion. Il faut que nous, on puisse y arriver sans être vu. Bon, c'est pas simple, hein, mais c'est pas impossible. Sinon, pour lui, c'est toujours la même chorégraphie. 23h10, on lui sert des omaillots avec de l'eau gazeuse. 23h20, un steak bien cuit avec des frites. 23h35, on lui sert des blancs d'œufs à combat, là, avec une crème, là. Oui, oui, une île flottante. Une île flottante, c'est ça. Et ensuite, à 23h45, il repart vers son camion. Voilà. Donc, ça nous laisse à peu près 40 minutes. Pour être large, on fera 10-15 de plus. Mais d'accord, mais comment tu vas faire? Combien ils vont prendre de kilos? 200, 300? J'en sais rien. Putain, fallait y penser. Combien ils te proposent? On s'en fout de ça. Combien? 30 000. C'est une blague? Chut. Ils te proposent 30 000 euros pour un petit service comme ça? Parle-moi. Attends, tu appelles tout de suite et tu dis oui. En plus, vous faites ça en famille. 30 000 euros, bordel. T'imagines ce que tu peux faire? Mais arrête, tu sais pas de quoi tu parles. Bien sûr. Tu sais pas de quoi tu parles. C'est des trucs dangereux. C'est pas un milieu marrant. Non, c'est un camion de caviar. Et alors? Tu crois que tu vas dire ça aux flics? Ils vont dire quoi? C'est un camion de caviar. Mais non, mais c'est un vol simple. Ce que je veux dire, c'est que les camions sont pas sécurisés. Mais y a rien de simple. Ils te font toujours croire que c'est simple, les mecs. Tu vois pas que c'est des mecs qui se mettent dans des galères. Tu veux pas prendre des risques un peu dans ta vie? Mais c'est pas des risques. C'est des mecs qui se mettent dans des galères non-stop. Je connais ça depuis que j'ai 12 ans. 12 ans, j'avais des perquisitions à la maison à cause de ma mère. Mais là, c'est pas la même chose, je te dis. C'est la même chose, exactement la même chose. C'est un camion de caviar, putain. Y a pas, y a rien. C'est borderline. D'accord, c'est des gens qui prennent des risques pour eux-mêmes. Ces camions-là. Tu crois qu'ils ne s'excitent que quand il y a un risque à prendre? Je ne veux pas que ma mère ni finisse en tôle, ni qu'il y ait des perquisitions à la maison, ni qu'il y ait un mort à la fin. Que toi, tu fasses rien de ta vie, c'est une chose, mais que t'emmerdes les gens. Elle est heureuse, ta mère. Elle a trouvé un mec, putain, qui se fait chier pour qu'elle soit épanouie, qu'elle fasse les trucs qu'elle a envie dans la vie. Tu vas où, là-haut? T'es un con. Voilà. Va voir ta mère, va la voir, va tout lui dire, mais tu ne vois plus. C'est fini. Tu m'as dit que j'étais un con, là? Oui, t'es un con. Tu m'as dit que j'étais un con? Oui, t'es un con. Bonjour.
Bonjour. C'est bien, c'est des fleurs blanches, ça va faire plus joyeux. C'est pour toi. T'es gentil. Fallait pas, mais c'est gentil. Excuse-moi, pour la dernière fois, j'ai été con. Moi aussi, j'ai été con. Tu sais, c'est pas facile de passer du temps avec toi. À chaque fois que t'es là, je pense à elle. Je sais, Clémence. Je le sais. T'as tout dit à ta mère? Non. Au final, t'as raison, c'est pas grand-chose, ce qu'il me demande. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi? Sérieux? Oui, avec grand plaisir. J'en ai marre, quoi, d'assurer tes arrières tout le temps, quoi. C'est comme pour le chien, quoi. Mais c'est toi qui m'as demandé de l'adopter. Mais jamais de la vie, j'aime pas les chiens, je déteste les chiens. Mais alors c'est nouveau, ça, pardon. Bah, c'est nouveau de quoi? C'est les pervers qui aiment les chiens. C'est une perverse, excuse-moi, c'est une perversion. T'es une conne, en plus. T'es une conne, je sais pas comment te dire autrement. Elle me regarde pas comme ça, c'est la vérité. Tu te fous de ma gueule? Non, je m'en fous pas ta gueule, t'es une conne. Dis-le-moi encore une fois. T'es une conne. Ok, stop. Je suis désolée. Merci pour beaucoup. La barre, je sais pas ça pourquoi pas je l'ai mise, il m'a énervée. Eh, excuse-toi pas, c'est la meilleure des trucs que t'as fait. Ça, on y croit, tout le reste, c'est de la merde. Excusez-moi, ça va pas du tout. Hein. De quoi? Qu'est-ce qui allait pas? C'est quoi cette histoire de clébard? Franchement, on a dit que c'était une dispute de couple. Les couples, on peut pas s'y intéresser. C'est quoi l'objectif de votre scène? Quoi? Le but de votre scène, c'est quoi? C'est à nous écouter, quoi. Je vous entends pas, parlez plus fort. Que le mec reste assis à nous écouter, qu'on lui fasse un spectacle, voilà. Que ça l'intéresse. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que le type s'intéresse à votre embrouille. Là, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'on n'y croit pas, vous n'êtes pas vrai. On n'est pas vrai, là? Non. Mais non, vous n'êtes pas vrai. Donc, pour que le type aille jusqu'à rester à vous écouter plutôt que de retourner au boulot, faut que ça vaille le coup. Mais donc, qu'est-ce que tu veux, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui? C'est quoi le plus grand spectacle du monde aujourd'hui? C'est la souffrance. La souffrance, ça nous parle à tous. On a tous connu la souffrance amoureuse. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut que je croie à votre histoire d'amour. Là, on n'y croyait pas. J'ai besoin d'y croire. Oui, mais moi, je suis désolé, je suis pas un acteur. Abel, Abel, il faut que tu prennes du plaisir. Il faut pas que tu subisses, là. Tu subis. Et pourquoi on n'écrirait pas un texte? Ah, putain, Abel! Tu fais chier, Abel! Je suis là à te donner des conseils et toi, tu vas... Arrête, Michel, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, tu vois? Oui. Il faut que ça ait l'air aussi vrai que ça. OK? D'accord, ouais, OK. Putain, tu joues trop bien, hein. J'ai une panique d'un coup et... Faut que même le chien, il y a appel tout... à votre mémoire affective. C'est ça qui est important. Des suggestions? Trop bien. Moi, j'ai une idée, mais bon, faut la prendre comme elle est. C'est une idée. Pourquoi elle drague pas le chauffeur? Elle va pas draguer le chauffeur, ça va pas. Non, non, alors non, 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 non. Moi, je drague le chauffeur? Non, non. Et alors? Mais, c'est bon, là? Non. Tu me laisses parler? Non, c'est clair et net, c'est non. On a dit, on le fait avec vous si on est juste assis en train de parler. Je veux draguer le chauffeur. Si tu restes assis. Je veux draguer le chauffeur. Pas compris. Jean-Paul, ouais. Michel, je vous dis, on est avec vous. Alors va le faire toi. T'as envie de la faire? Bah alors laisse-la faire. Non, je la laisserai pas faire. Laisse-toi pousser une paire de sang, alors. Tu vois, comment t'es là? Est-ce que tu peux faire la même chose dans la scène? Okay. En tout cas, on ne fera rien d'autre que parler tous les deux. Tu y mets la même énergie. C'est tout. Tu ne veux pas qu'elle drague le chauffeur, mais cette même énergie dans la scène. Okay. Je vous écoute tout de suite. Alors ça, c'était bien. Vas-y. Tu te souviens... Quoi? Je sais pas. On se souvient à quoi? Faut qu'il se lance, là. Par rapport à... La souffrance. Mais continue, qu'est-ce que tu... Quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'en ai marre. Je sais que j'allais changer. Non, tu le dis à chaque fois, tu changes jamais. Jamais. Je veux pas que tu partes. Je pars, Michel. J'ai besoin de toi. Je vais crever si tu pars. Me touche pas. Je m'en fous que tu crèves. Si tu pars, je crève. Je m'en fous. Crève. On va faire un enfant.
Quoi ? C'est maintenant que tu changes d'avis ? Maintenant que je veux un enfant parce que tu sens que j'ai envie de partir ? Tu me rends folle ! Tu comprends ? Je t'aime. J'étais dans la peau. Si tu pars, je meurs. Je pars. Non, je toute seule. Non, non. Si je pars, toute seule. Tu me laisses. J'étais dans la peau. Tu me laisses, tu me fais mal, tu me laisses. Je lâche-moi. Tu me lâches. Non, non, non. Je veux pas rester avec toi. Je ne veux pas rester avec toi. Tu me lâches. Tu me lâches. Attends, Michel, tu attends, là, tu lui fais mal, Michel. Là, tu lui fais mal. Attends, Michel, tu lui fais mal. Voilà, voilà. Là, t'as eu envie d'intervenir. Et c'est ça qu'on cherche. Okay. Voilà. Tu vois? Tu vois? Oui, mais moi, je peux pas être violent avec elle. Y'a pas de violence. Si, j'ai pas de violence avec elle. Oh, j'ai eu des émotions, là. D'accord, tu vois? C'est un truc de dingue. Prends un couteau, une assiette, casse-la. Mais non, je vais prendre un couteau. Mais, mais arrête. Mais tu sais même pas faire ça, Blaireau. Alors, tu prends comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as trompé, salope. Mais quoi? Il a raison. Et de quoi? Mais là, tu la feras pas. J'y crois, là, j'y crois. Sincérité, faut que tu te mettes ça en tête. Sincérité. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cul, un peu de violence, et voilà, le mec, il va rester comme ça, estomaqué, s'il a pas dans sa putain de vie. Tu me casses les couilles, parce que non, ça va mal finir. Non, 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 mais t'amuses pas. Là, t'as vu, avec ta main, je veux pas, elle fera ce qu'elle doit faire, et toi, tu vas la pousser. OK, d'accord, on est d'accord. Hein? Bon, OK, vas-y, amigo. Quelque chose et ça me fait avancer. On oublie tout, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi je vais aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se commencent. Mon amour. J'ai envie de te voir. Tu me manques tellement. Malheureusement, c'est le boulot et je peux vraiment rien faire. Oui, je sais. Tu fais quoi? C'est le patron, il m'a demandé personnellement de faire des heures sup. Il est venu me voir directement. On a reçu un gros stock de matériel à décharger, donc ils ont vraiment besoin de moi, quoi. Mais si notre magasin, il marche, t'arrêteras Conforama, puis comme ça, on sera tout le temps ensemble. Bah oui. Quand tu rentreras cette nuit, tu me réveilleras tout doucement dans le lit. Et tu me referas ce que tu m'as fait hier. J'aimais tellement. D'accord. Je t'aime, Michel. Je t'aime. Dors bien.
va, amigo? Ça va et toi? Tranquillou. Il en est où? Bon, on vient juste de lui servir les œufs mayonnaise, là. Ok. À monter. Peut-être qu'on va manger, oui. Ouais. Ou boire un verre, on ne sait pas encore. Il n'est pas tout seul, on s'en va. Attends. Il n'est pas tout seul, on s'en va, je te dis. On s'en va, maintenant, on s'en va. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous savez ce que vous voulez manger? Ouais, on va prendre une entrecôte à partager. Alors, pour d'accord. Deux, c'est possible? Ouais, pas de souci. Du vin avec? Ouais. Laquelle vous ferait plaisir? N'importe quoi, la plus chère. D'accord. C'est lui qui paye. Pas de souci, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Bon appétit. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis désolé, mais on n'a plus de steak. Ouais. À la place, j'ai un demi-poulet à vous proposer. Bah, je suis pas fan de les manger à midi en plus. Laisse tomber. Bah, sinon, j'aurais du poisson. Non, laisse tomber. Tu sais quoi, on va mettre directement le dessert avec directement un café. Directement le dessert, ouais. D'accord. Une île flottante, c'est ça? Ouais, parfait, voilà. Pas de souci. Et l'addition aussi. D'accord, pas de souci. Merci. Dis quelque chose, putain. Dis quelque chose. Quelqu'un? Ouais. Ça serait bien que tu... Non, pas ça. Non, là, je peux déraper. Je peux te faire du mal. Oh, tu m'énerves! C'est parce que j'ai baisé avec tous ces mecs que t'es comme ça? Hein? Que tu me fais chier là devant tout le monde? On n'est pas tout seul, ok? Tu te calmes. Je suis désolée, je suis comme ça, j'ai une libido très développée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Calme-toi, parle pas si fort, parle pas si fort. 10 ans qu'on est ensemble et tu trouves pas un petit truc à dire? Un truc un peu sincère, je sais pas, un truc qui sort de toi, un truc qui. Je t'inspire au rien? Si, si, tu m'inspires que beaucoup de choses. Tu te fous de ma gueule? Non, je me fous pas ta gueule, non? Quand tu me regardes, là, tu trouves rien à dire. Je suis n'importe quelle fille pour toi, c'est ça? Non, t'es pas n'importe quelle fille, non? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu réagis pas. Je te demande de réagir. Qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose. Je me rends compte. Attendre éternellement que tu fasses attention à moi. Mais pourquoi t'as l'impression que je fais pas attention à toi? Non, tu fais pas attention à mais moi. Mais attends, je fais que ça, faire attention à toi. Je vois que toi, je vois personne d'autre. Pourquoi t'es comme ça? Parce que je suis malheureux. Parce que je suis malheureux et parce qu'il faut que je me protège. Je ne veux pas m'attacher.
chercher un whisky. Un whisky? Désolée si on vous a dérangé. Non, non, vous inquiétez pas, j'ai pris mon téléphone. Ça va pas très fort avec mon ami. C'est n'importe quoi. On s'engueule pour rien. Ça vous dérangerait pas de rester, de pas trop vous éloigner? Pourquoi? Il est parti commander à boire et à l'alcool très mauvais. Alors si vous pouviez juste jeter un œil. Ah, vous inquiétez pas, j'ai le dessert encore et le café. Je l'ai encore pour un petit moment. Sûr, ça vous dérange pas? Ouais, vous inquiétez pas. Merci. Non. Non. L'île flottante, si vous apportez le café juste après l'île flottante, c'est bon? Yes, c'est bon. Merci. Allez. Ah, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. La caverne d'Ali Baba. Ok, pour enlever tout ça. Oh putain, c'est lourd. Hein. C'est très très lourd. T'étais long? Qu'est-ce que tu foutais? Je peux te poser une question? Vas-y. Ces mecs Tinder, là, ça fait quoi quand tu les vois? Comment ça? Ben, je sais pas, j'ai jamais fait ça, donc je suis curieux. Tu ressens des choses? Bah, oui, évidemment. Tu ressens quoi? Bah, ça dépend. Je sais pas, ça dépend des mecs. Parfois, j'ai l'impression de tomber amoureuse. Ça dure pas. Parfois, je suis très excitée, j'ai envie de niquer. Mais bon, la plupart du temps, ça va nulle part, et puis, tu vois, c'est nul, sans intérêt. Faut être très courageuse pour laisser autant de gens entrer dans ta vie, tu vois. Je laisse pas vraiment entrer dans ma vie. La preuve, tu les as jamais rencontrés. Mais, qu'est-ce que ça me fait à moi? Tu t'es déjà posé la question? Tu crois pas que ça me rend fou de devoir t'abîmer avec des mecs qui servent de toi pour tirer leur coup? Tu crois pas ça? Je suis pas un garçon courageux, quoi. Je suis pas un garçon courageux. Mais j'ai eu trop mal. Tu comprends? Je veux pas te perdre. Je veux vraiment pas te perdre. Appelle. Appelle, pourquoi tu me perdrais? Tu sais, quand tu m'as dit que tu pouvais plus me voir parce que quand tu me voyais, tu pensais à Maud. Oui. Bah, tu vois, moi, c'est le contraire. C'est quand je te vois, toi, que je pense pas à elle. Ouais, c'est facile, hein. Il en reste encore 10. Je vais aller aux toilettes. Ça va? Ça va. Je suis un peu perdue. Je sais pas ce qu'il est parti faire aux toilettes. Bah, moi non plus, mais... J'ai peur qu'il fasse une connerie. Ça lui est déjà arrivé de se faire du mal. Bah, allez-y, là. Restez pas plantés là et jetez un coup d'œil. Oui. Oui. Vous pouvez pas venir avec moi. Non, mais allez-y. Bah, pourquoi je viendrai avec vous, quoi? J'ai peur d'y aller toute seule parce que j'ai peur qu'il... Bah, c'est bon, on y va, Lurel. Venez, on y va. Allez. Allez-y, je vous suis. Vous pouvez passer devant moi. Merci.
Ah, je suis mort, mec. Vas-y. Jean-Paul, jette un œil. Abel ? Abel, t'es où ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Hein ? Ouvre-moi, arrête, fais pas de conneries. Sors. Non. Pourquoi non ? Sors, Abel ! Non, j'ai trop peur. T'as peur de quoi ? J'aurais pas dû dire tout ça. Pourquoi ? Parce qu'après, tu seras plus là. Tu seras plus là. Ça fait tellement longtemps. Je t'aime tellement fort que... Parfois, j'ai l'impression que mon cœur va exploser, je te jure. Je suis amoureuse de toi, Abel. Je suis amoureuse de toi. Tu veux pas m'ouvrir? J'avais fait un tour dehors. Ah, vous êtes rassurés, là ? Ouais, c'est... Voilà. Merci. Dépêche-toi, il y a la babysitter qui m'a appelé, faut qu'on y aille. Quoi ? Dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Oui. Attends. Quoi ? Attends, tu fais quoi, là ? On a le droit d'en manger une, non ? T'es sérieux ? Oui. Amigo, j'en ai jamais mangé. Regarde comment c'est beau. Ouais, c'est beau, ouais. Allez, vas-y, prends-en une boîte. Non, prends une boîte. Prends ta boîte de caviar et on se casse. Putain. Allez, vas-y, c'est bon. Putain, tu me rends dingue. Il y a des flics partout. Baisse la tête, regarde pas, va tout droit. Baisse la tête. Je baisse la tête. C'est un enfer, putain, c'est un enfer. Attends, deux secondes. Ok, baisse la tête. Je baisse la tête. Tu vas mettre discrètement la marche arrière, d'accord ? Ouais. On va sortir par derrière. Okay. Putain, non. Attends, il passe, ne bouge pas, Bougez pas! Calme, bouge pas! Vas-y, bouge pas! Envoie les clés! Calme! Vite, envoie les clés! Quelles clés? Les clés du camion! C'est pas des flics, ça? Si, c'est des flics. Putain, la vache, regarde! Calmez-vous, les gars! Envoie les clés! Je vais te les donner. À qui je les donne? À moi! Toi, ferme ta gueule! Calme! Venez, quel quoi? Lâche ta gueule! Toi, ferme ta gueule! Jean-Paul, putain, il fait quoi là? Ferme ta gueule, dis-je là! Attends! Michel, non, non! Michel! Baisse ton arme, je t'expliquerai! Baisse ton arme! C'est pas des flics! Qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Putain, il est complètement fou. Pense à ta famille. Fais-moi confiance, je t'expliquerai. Baisse ton arme.
Tu vois pas que t'as aucune chance. Vas-y. Baisse-la. Espèce d'enculé. Les clés, elles sont où? N'avance pas, amigo. Tu veux me tirer dessus? Police, vous êtes cerné! Qu'est-ce qu'il fout? On baisse les armes, j'ai dit! On va voir ce qui se passe. Le grand Jean-Paul, là, c'est ça que t'es devenu? Bouge pas, Michel. On a des snipers sur vous! On vous dit quand vous voulez! Qu'est-ce qu'elle fout, bordel? On a pas qui fonce! Il a la cavalerie explosée, ok? Je dis à terre, bande de fils de pute! À terre, je dis, tu baisses ton arme! Michel! Michel, Où ça? Où ça? Putain, tu saignes! Ouais, allô? Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion, là. Parking du relais de la salle, à Salaise. Clémence, elle est où? Je sais pas. Elle est où, Clémence, putain? T'as mal? Ouais. Baisse ta tête, mon Dieu! Attends, elle est là. J'appelle les flics. Clémence, pose le camion, on arrête tout. Stop. On arrête rien du tout. Appelle Clémence. Quoi? Je sais, je vous vois. Michel s'est fait tirer dessus. Hein? Il s'est pris une balle dans la cuisse, il faut qu'on aille à l'hôpital. Clémence, écoute-moi. Au prochain carrefour, tu t'arrêtes. Tu te baisses le plus possible et tu me laisses faire. Je prends le relais, t'as compris? Non, je m'occupe de Jean-Paul. Clémence, tu fais ce que je te dis. Clémence, tu écoutes ce que t'as dit Michel? Mais laisse-moi faire les choses, putain! Je t'ai dit, je sais ce que je fais! Donc allez à l'hôpital, moi je m'occupe de Jean-Paul et je mets de la marchandise au frais! Non, Clémence! Clémence! Pourquoi la marchandise au frais? De quoi elle parle? Mais le caviar, il va pourrir s'il n'est pas au frais! Ah putain, tu saignes! Mais non, je flippe! Tu saignes trop, putain! Il y en a partout! Arrête, mon chéri! Fonce, les lâche pas, t'es en train de les perdre! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? On va à l'hôpital, c'est tout! Maintenant, on va à l'hôpital! Depuis 10 minutes là, je sais pas ce qu'il a comme idée en tête, mais il commence sérieusement à me faire peur. Alors si vous pouviez aller juste jeter un coup d'œil. En voiture hein? Ouais. Okay, calmez-vous, on va aller. Mettez-vous. Mettez-vous à côté. Oh, c'est scandaleux qu'en 2022, il y a encore des mecs qui se permettent de. Il s'est blessé là. Arrête de crier. Monsieur, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? On s'en fout de ce qui se passe ici. Je vous dis qu'il pisse le sang. Vous calmez, s'il vous plaît. Un docteur. Monsieur, comment vous pouvez marcher? On va s'occuper de votre père, ok? Non. Si, on va s'occuper de votre père. Ça s'en fout, Xavier, s'il vous plaît. Je me calme, je suis calme.
Est-ce que vous sortez de marché, monsieur? C'est un accident de chantier. Ouais, on vous tranche, hein, monsieur. C'était une heure, là. Ça fait une heure qu'il pisse le sang. Allez, on y va à l'étage. Ok, j'ai compris. Je vais aller l'attendre à l'accueil, voilà. J'ai compris. C'est mon fils. J'énerve vite. Attends, donne-moi le numéro du chat, Michel. Ah, tu vas rejoindre Clément, je m'occupe du reste. Non, donne-moi le numéro du chat. Donne-moi le numéro du chat, vite. Clémence, t'es où, là? Je sors d'hôpital. Rappelle-moi, s'il te plaît. Rappelle-moi, s'il te plaît, Clémence. Je m'inquiète, s'il te plaît, rappelle-moi. Je me suis enfoncé un tournevis dans la cuisse. Ben je suis à l'hôpital, je suis parti directement, c'est ce qui avait de plus simple. Non, c'est pas la peine, non. Sylvie, demain ou plus tard, je suis sorti. Vraiment, c'est un petit bobo, c'est rien du tout. J'y arrive tout de suite. Rappelle-moi, s'il te plaît, Clémence. Putain, Clémence, t'es où? Qu'est-ce que tu ferais s'il m'arrivait quelque chose? Ok, je te répondrai quand tu me diras où tu es. Tu es où, là? À l'aquarium. Ok, j'arrive. Bonsoir. Bon, en tout cas, la plaie, elle est parfaite. Hein. Ouais. En plus, ça va cicatriser parfaitement et il n'y a pas d'éclat. Donc, c'est le principal. C'est des éclats de quoi? De métal, des fois, ça peut... Parce à l'atelier, là, ça devait arriver. Hein. La dernière fois, il y en a un, il s'est entaillé la main à cause d'une vitre qui a explosé. Après, ça a été une échelle mal fixée. Je crois qu'il vaut mieux que tu fermes ta gueule. Viens t'asseoir, bien. Mais je voudrais pas déranger la demoiselle. Non mais c'est bon, j'ai fini. Je vous laisse, je reviendrai tout à l'heure. Il n'y a pas moi. Je ne viendrai pas si tu continues à me raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais je t'ai raconté ce qui m'est arrivé. Non, tu me dis la vérité maintenant. J'ai merdé. Je pouvais pas faire autrement. Par rapport à quoi? Mais par rapport au magasin. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Je voulais pas t'inquiéter. Tu vois, là, je sais plus avec qui je me suis mariée. Comment ça? Avec moi, viens à côté de moi, viens. Non, je... Celui avec qui je me suis mariée m'a promis de pas me mentir. Tu te souviens de ça? Pourquoi t'es blessée? C'est pas un tournevis. On m'a tiré dessus. T'as recommencé alors. Excusez-moi, vous voulez que j'aille dire à votre fils qu'il puisse monter maintenant ou pas? Ah. Ok, à tout à l'heure. T'es un fils, toi? C'est qui ton fils? C'est Abel. C'est Abel, mon fils. Vous faisiez quoi ensemble? Ce soir? Il va bien, t'inquiète pas. Il est avec Clémence. Vous avez fait quoi ensemble cette nuit?
Sylvie. Sylvie. T'as fait un truc que jamais, jamais t'aurais dû faire. T'as touché à Abel. Et là, t'as tout démoli. Salut. Ça va ? Ça va. Je sais pas si tu te rends compte, mais je me suis inquiété. Je sais. Mais tu vois, tout va bien. T'as bien joué tout à l'heure, hein? C'était bien? C'est vrai? Ouais. Au début, j'étais à chier, hein, on va dire la vérité. Oui, t'étais à chier, mais t'as fait des progrès. Je sais pas, à un moment donné, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais pas non plus, mais... Hicham ? Oui, bonjour, je vous appelle de la part de Michel. Bah, c'est pour la livraison. Oh ! Allez, passe-toi. Tu fais attention à toi ? Oui. Tu me promets ? Oui. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merde! Putain, je m'en fous partout, moi. Oh, merde! Bonsoir. Bonsoir. Je viens de la part de Hicham. Je viens de la part de Michel. Bouge pas. Prénom. Abel. Âge. 32 ans. Profession. Poète. Bon, écoute, on peut se parler sérieusement là, 5 minutes. Déjà, on va être franc avec toi. Nous, ça nous fait chier d'être là, tu vois, face à toi. Parce qu'on sait, très bien que c'est pas toi qui as monté le coup. On le sait. Et toi aussi, tu le sais. Mais je sais pas, vous avez le caviar, vous avez l'iranien, vous m'avez moi, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, là? Bah, que tu nous dises la vérité. Oh.
Ma belle. J'espère que tes journées sont pas trop longues et tes nuits pas trop bruyantes. C'est ça le plus pénible en prison. Le bruit la nuit. Sinon, on s'habitue à tout. Et ça qui est bien avec les êtres humains, c'est que... Ben, on s'habitue à tout, finalement. Je voulais te remercier pour la lettre que t'as envoyée à ta mère. Ça m'a beaucoup touché. Et leurs fusils sont chargés ! On va compter jusqu'à 5 et vous baisserez vos armes ! 1 Stop ! 3 Arrêtez ! Non ! Pour l'instant, elle refuse de me répondre, mais je ne désespère pas. Je sais qu'elle est paisible et c'est ça le plus important. La première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, je t'ai dit que t'irais mieux. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Je suis très content pour toi. Je pense à vous deux. Je pense à vous deux tendrement. Michel. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Excusez-moi, est-ce que je peux dire un tout petit souhait, faire un petit discours? Mais je vous en prie. Introduction. Merci. Abel, je voudrais te dire que je suis fière de toi. Aux yeux de certains, t'as fait une bêtise, mais moi, je sais que t'as été généreux. Et c'est ça, la vie. Je t'ai élevée seule. J'étais jeune. Mais toi aussi, tu m'as élevée. Et on s'en est pas si mal sorti. J'aime personne plus que toi. Bonne vie, Clémence. Bonne vie à toi. Pour reprendre. Oui. Madame Clémence Genièvre, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Abel Lefranc, ici présent? Oui. Monsieur Abel Lefranc, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Clémence Genièvre, ici présente? Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Della notte quasi amore.
Thank you.